Bonsoir Marie. Bonsoir. C'est un grand jour pour vous puisque c'est l'inauguration de ce restaurant, c'est ça, hein, c'est le terme exact, hein, qui se tient donc place de l'Hôtel de Ville à côté du Bureau de Tabac, à côté de la Porte Toulouse. Et c'était il y a quelques temps encore, même un jour, tenu par une enseigne immobilière. Oui, et jadis, c'était une vente d'engrais. Alors, qu'est-ce que vous êtes originaire de où d'abord? Moi, d'Aix-sur-Somme. D'Aix-sur-Somme. Mon voisin, oui. Hein, et qu'est-ce qui vous a incité à vous installer ici à Piquigny? Il y avait le tabac qui était à vendre à Piquigny et j'avais envie d'acheter un commerce. Donc, j'étais le premier qui venait et ça s'est fait comme ça. Le tabac côté, voilà. Il n'y a eu qu'un pas à franchir pour... Voilà. Sylvie m'a parlé du local qui était alloué six ans après mon installation au tabac. Et mon conjoint, plus particulièrement, voulait s'installer dans la cuisine à son compte. C'est ça. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer avec lui. Alors c'est le troisième lieu de restauration à Piquigny, après l'Olivier, après Fazou, dans le Bourget. Quel sera votre credo? Comme là, le midi, je dis, hein. Oui, nous ce sera que le midi et ce sera principalement un plat du jour. C'est pour ça qu'on a appelé ça au petit plat au singulier. Il n'y aura qu'un plat du jour à présenter. Celui qui n'aime pas le plat du jour, il aura une pièce du boucher à côté, un autre menu. Mais principalement, c'est ça le thème, c'est on fait un plat un jour, chaque jour de la semaine différent. Ça peut s'adresser à qui? La population locale, aux gens qui passent, les gens qui passent, ceux au camping, ceux qui passent camping, au chemin de village, les habitants, tout le monde. Ah oui, le camping, quand il y a une compétition de canoë kayak, un grand match de foot, voilà. Les événements. Je suppose que vous allez avoir des tarifs assez corrects quand même. Oui, on a fait en sorte d'être correct. Un menu, un plat du jour, il y aura des formules, entrée, plat ou plat dessert, qui ne vont jamais excéder les 18 euros, je pense. On restera vraiment dans des prix corrects. Vous débutez quand? Demain? Samedi. Samedi. Oui. Et donc là, on va entendre une période très... intense, un peu de vie, hein, avec la fête locale. Je pense que c'est la meilleure période. La riverie, la course, la route. La course à Savon. À Savon, ouais, donc, exactement. Ça promet beaucoup de l'innovation. Exactement. Il y a moyen de travailler. Donc, troisième lieu de restauration au pays. Jadis, il y en a eu le double. Donc, oui, il n'y a pas de déjeuner là que vous travaillez, mais pas du tout concurrent, mais complémentaire. Hein. C'est ça. Donc, si on veut bien résumer, vous êtes ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Et le mercredi, c'est fermé. Et le mercredi, c'est fermé. Ouais. C'est journée gosse. C'est ça. Et on restera avec notre fils le mercredi. Le soir, donc, vous êtes fermé, ce qui est normal. On sera ouvert que le vendredi soir. Le midi, c'est de midi à 2h, non, il n'y a pas c'est de... C'est ça. Tu as un gaz pour 14h, 14h30. Pas de problème. Merci beaucoup, Marie. Et merci puis, à vous. Bonne chance. Comme c'est on dit, gentil. Avant une épreuve sportive. Merci beaucoup.